Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Désolé, hein? Il y avait un direct sur la toile là. Il fallait que je laisse ça passer d'abord. Mais comme je vois le temps passer, et puis je me sens fatiguée, et puis après, demain, on a aussi les occupations. Je ne vais pas passer tout le temps là. Donc, du coup, j'ai préféré lancer mon direct. Comme ça, ceux qui viendront seront là. Ceux qui iront ailleurs vont aller ailleurs. On partage, on envoie les cœurs. Moi aussi, je partage. Vous savez que demain, c'est un jour ouvrable. C'est pas le week-end. Partage, on envoie les cœurs. En tout cas, moi, je partage déjà. On partage, on envoie les cœurs. Je commence à me sentir fatiguée. Hein? C'est pour ça que je dis que dis donc. Chacun a son mieux, chacun chacun peut faire de son mieux ce qu'il veut. Donc, du coup, j'étais trop fatiguée déjà. Ça se voit même sur mon visage que j'étais fatiguée. Il y a des moments comme ça, hein, qu'on est fatigué. Il y a des moments comme ça. J'espère que vous allez bien. On se connecte, on partage, on envoie les cœurs. On se connecte, on partage. S'il vous plaît. On se connecte, on partage. On se connecte, on partage. On partage partout. Je vais m'adresser à la famille Mbiaï. La famille Mbiaï. Je vais m'adresser à celle-là qui est connue sur les réseaux sociaux. Donc le reste, je ne traite rien avec eux. Je traite avec une seule. Donc quand il y a une Mbiaï qui tousse, c'est celle qui est connue sur les réseaux qui en paye le prix. Donc, partagez le direct et vous envoyez les cœurs. C'est très important. On partage, on envoie les cœurs. Là, je suis en train de partager moi-même. J'aime bien. Toujours partager. Toujours. C'est très important. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Ben moi, ça va super bien. Un peu fatigué, mais ça va. J'ai mis la lumière là, mais j'ai comme l'impression que ça me tape les yeux, ça me fatigue même encore. Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Alors, tout ce que je vais vous demander, c'est de partager, liker et biper les voisins, d'accord? On bip tout le monde. Bonsoir tout le monde, je ne vais pas attendre que... je ne vais pas attendre que tout le monde vienne. Le problème, c'est que j'aime faire mon direct souvent quand je suis seule dans la maison. Là, je suis... Quand je ne suis pas seule dans la maison, ça me dérange un peu. Mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. On va faire notre direct. Même demain, encore, on va faire. Même après-demain, on va faire. Oui.
C'est de ça qu'il s'agit. Alors, j'ai tenu à faire ce direct aujourd'hui parce que il y a beaucoup de personnes qui me bipent, qui m'envoient des petites coupures. C'est vrai que moi, j'avais fait une annonce où je disais que quand il y a le Japap, envoyez-moi. J'ai envie de dire ici aujourd'hui, partagez cette page parce que j'ai besoin de au moins 1000 abonnés pour que je puisse monétiser cette page. Donc, s'il vous plaît, ceux qui aiment ce que je fais, ceux qui aiment le diamant bleu, partagez cette page, s'il vous plaît. Et likez, c'est très important. Et abonnez-vous. Il faut vraiment vous abonner. Demandez à vos proches de s'abonner parce que c'est très important. J'ai besoin de 1000 abonnés sur cette page. Donc, les personnes qui sont déjà populaires, partagez la page des enfants de Maman Perpé. C'est très important. Partagez cette page-là, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Ceux qui ont déjà, vous savez, même derrière les faux profils, on a un nombre de vues. Hein. Donc, partagez. Le diamant bleu a besoin de vous. Voilà. Alors. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées là. Vous savez, j'ai toujours dit ici sur les réseaux sociaux, nous venons tous, nous sommes des personnes adultes. Nous sommes des personnes responsables de nos actes. Alors, moi, ce n'est pas tout le temps que je réponds aux attaques. Ce n'est pas tout le temps que j'ai envie de répondre à des personnes insignifiantes. Parce qu'il y a des personnes sur la toile qui n'ont pas, qui ne méritent pas mon attention. Il y a des personnes sur la toile que je n'ai pas envie de donner une attention. Alors, je vais vous dire pourquoi. Il y a des personnes sur la toile, comme par exemple moi. Si je suis sur la toile, j'ai mon frère, ma soeur, ma cousine, qui est sur les réseaux sociaux, d'accord, qui, à travers moi, ou à travers sa sœur ou son frère, l'exemple est un peu compliqué, je vais être terre à terre, sur les réseaux sociaux, j'ai une part de visibilité. Je suis connue sur les réseaux sociaux. Je suis une influenceuse, une impacteuse même. D'accord? Alors, si une personne vient s'asseoir, m'insulter matin, midi, soir, insulter mes proches, et que cette personne n'est pas une impacteuse ou une influenceuse, ou cette personne, pour moi, est insignifiante, et que je vois que dans son entourage, il y a quelqu'un ou quelqu'une que je peux m'attaquer à cette personne, c'est cette personne qui paye les pots cassés. J'espère que là, j'ai parlé à terre à terre. Alors, je vais aller plus simple. L'écarteuse Pipi, sa mercenaire qui est sa petite sœur, s'assoit matin, midi, sur moi, diffame à ma personne. Alors, chaque fois qu'elle va diffamer sur moi ou sur un de mes proches, c'est sa sœur qui va en payer le prix. Pourquoi? Parce que sa sœur, j'ai eu à dialoguer, à partager avec sa sœur. Sa sœur a un jour causé avec moi, qui est Pipi. Alors, sa petite sœur, je ne la connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Depuis qu'elle est sur la toile, elle crie, sa voix finit même souvent par partir. Elle n'a aucune influence, elle n'a aucune personnalité, elle n'est connue de nulle part. Alors, je ne peux pas lui donner de l'attention, je ne peux pas lui donner de la visibilité. Elle n'est pas à mon niveau. Le jour où elle va faire un direct, où elle aura
minimum 2000 vues, là, pas une seule fois, qu'elle fasse des directs où elle a 1900, là, je pourrais dire qu'elle entre dans la cour des grands. Pour l'instant, elle est insignifiante pour moi. Pour moi, elle n'existe pas. Elle n'est pas... Quand on cite les influenceuses à diaspora, on ne la connaît pas. Non, on ne la connaît pas du tout. Alors, pour ça, je vais lui prouver ce soir par A plus B que sa sœur est une vendeuse de Ndongo. Parce que quand on vient parler, une comme moi, quand je viens parler de quelqu'un sur la toile, je viens avec des preuves. Je ne viens pas en tâtonnant. Je ne viens pas insulter les injures du quartier. Quand je viens atomiser, c'est que j'ai les tenants et les aboutissants. Je ne veux pas venir commencer à dire « Oh, tu avais fait que... Oh, tu avais fait... » Maléba tape, ça fait mal. Et elle exige des preuves. Aujourd'hui, à nos jours, on ne parle... Nous vivons en Europe. En Europe, quand on accuse quelqu'un d'un fait, il faut des preuves. Nous, on s'est levé pour accuser Banjansan. On a des preuves. On a les voix qui parlent. On a ses écrits. On a son numéro de téléphone. C'est des preuves suffisantes pour inculper quelqu'un. Alors, Pipi, j'ai envie que tu fasses comprendre à tes Pipi Mania que tu as toujours été une vendeuse de piments depuis que tu es toute petite. Depuis, avant de venir à diaspora, depuis l'Afrique, tu as toujours vendu le piment. Vous m'avez traité de vendeuse de piment. Je vous ai tapé sec. La personne qui va prouver où moi, je suis en train de vendre le piment, je me déconnecte des réseaux sociaux. La personne qui va prouver où je suis dans un endroit, on me soupçonne même seulement qu'elle est là. Et qui a une preuve, je me déconnecte des réseaux sociaux. Voilà un défi que je vous lance. Le jour où vous allez me sortir une preuve où moi, Maléba Perpétue, alias Diamant Bleu, je suis en train de vendre le piment, je me déconnecte des réseaux sociaux. Pipi, tu sais très bien que ce n'est pas depuis la diaspora que tu as commencé à vendre le piment. Tu vends le piment. Là où tu es parti, même là-bas où tu es parti, soi-disant supporter les lions, tu es parti tacler là-bas. Et on le sait. Tu es parti vendre ton piment là-bas. Tu as espoir que tu risques, tu peux attraper quelqu'un de bien. Tu as toujours été une vendeuse de piment. Est-ce que tu as dit ça à ta soeur et tes frères que tu es une vendeuse de piment professionnelle? Que quand je t'ai rencontré ici en Europe, tu m'as dit de ta bouche que tu allais vendre le piment du côté de Nice, de Cannes. Est-ce que tu as dit ça à ta famille? Tu as fait des directs ici où on t'a vu dans les appartements meublés que tu prends pour vendre le piment. On a vu le gourde derrière. Qu'est-ce que le gourde faisait derrière? Il n'y a que les professionnels de vendeuses de piment qui marchent avec des gourdes. Tu es une vendeuse de piment, Pipi. Là où tu es là-bas, là, attention, parce que dès que tu vas boire, les Ivoiriens vont te tourmenter. Tu es une vendeuse de piment professionnelle. D'accord? Et tu as entraîné ta soeur à la vente du piment. Quand on vend le piment, on est un peu classe, on est un peu posé. Il faut dire ça à ta soeur. Parce que je ne sais même pas comment est-ce qu'elle va faire. Elle sera obligée peut-être de travailler le debout. Parce que travailler, faire la vente du piment au téléphone, il faut avoir une belle voix. Est-ce qu'elle pourra répondre au téléphone là où tu l'entraînes là? Tu penses que ta petite soeur là pourra répondre au téléphone? Parce qu'elle n'a pas une belle voix. Quand elle parle, on ne sait pas si c'est un être humain qui parle. Bumbuko aussi. Il faut dire à ta soeur que tu es une vendeuse de piment professionnelle avec preuve à l'appui. Parce que nous tous, on peut marcher dans la rue. On voit les camions garés. On filme, on dit que voilà là d'où telle est.
Montrez-nous les preuves là où vous avez vu le diamant bleu en train de vendre le piment. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Oui, je me déconnecte. Ne venez pas sur les réseaux sociaux faire des guerres inutiles. Faire des guerres des injures du quartier. Oh, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Moi, je vais te montrer, Pipi. Pipi, je vais te montrer où tu es en train de vendre le piment. On en a vu. Te voici ici. Pipi, voilà le site où tu vends le piment. Te voici. Qui va discuter? Amenez-moi les preuves. Ou moi, Maliba perpétue. Je suis en train de vendre le piment. Voici Pipi ici, l'infirmière. Voici l'infirmière. Si je manque, elle vient dire que ce n'est pas elle. Vous la connaissez très bien. Voici l'infirmière. Vous tous, vous connaissez. Qui aime Mbiaye. Vous connaissez Mbiaye. Quand je mets bien la lumière, vous voyez Mbiaye. Ce n'est pas que vous allez venir montrer les photos des gens. Vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez. Mbiaye, c'est une infirmière. Voilà Mbiaye. Voilà une professionnelle. Elle est infirmière à domicile. Elle est infirmière à domicile. Voilà ça. Elle est infirmière à domicile. Où on la prend à tous les niveaux. D'accord. La voici ici en train d'écarter. Elle écarte Maniaka. Axelou Douala Yaoundé. Axelou Douala Yaoundé. Sors-moi une vidéo, une photo où je suis en train d'écarter. Je me déconnecte. Pipi, dis à ta soeur de nous sortir une photo où je suis dans un camion ou une photo où je suis en train de vendre le piment. Je me déconnecte. Vous pouvez relever mon défi là. Et dis à ta soeur que le jour qu'elle viendra me montrer un homme avec qui elle vit, ce jour-là, je pourrai la répondre. Le jour que ta soeur va se lever, venir me montrer que elle vit avec un homme et qu'elle est chez elle, elle se déplace dans tous les quatre coins de la maison pour faire le direct. Au lieu d'aller valoriser les maisons d'autres personnes, là, je pourrais la répondre. Pour l'instant, Pipi, dis à ta soeur que c'est toi la professionnelle de vente de piment. Dis-lui que c'est toi qui es professionnelle à aider, aide soignante à domicile. Il faut lui dire ça. Vous voulez humilier les gens? Vous voulez vilipender les gens? Vous voulez inventer les vies sur les gens? Quand nous on parle là, on a moi Maliba, quand moi je parle, je viens avec, je montre, pas les machines que vous montrez. Nous tous, je peux marcher là maintenant et filmer toutes les voitures là. Je dis que voilà la voiture là-bas, là, elle est dedans, elle est dedans. Montrez-nous, on voit. Ne faites pas comme si vous vivez encore en Afrique. Nous vivons dans un pays où, quand vous accusez quelqu'un, vous montrez des preuves. Le jour que je veux répondre à ta soeur, c'est le jour qu'elle va venir me montrer son mec. Parce que là, pour l'instant, j'ai comme impression que elle est amoureuse de mon mec. Je pense qu'elle est amoureuse de lui. Parce qu'elle dort matin, midi, soir sur mon mec. Il m'a égorgé. Il m'a coupé le pied. Mais c'est mon gars. Au moins, il me valorise. Le jour qu'il va dire que c'est fini là, je viendrai moi-même vous mettre au courant que c'est fini. Vous savez que moi-même, j'ai fait le Congo ça d'abord sur moi-même. Pipi, si tu étais une femme valable, l'homme n'allait pas partir comme il est parti, la façon qu'il est parti là. La façon qu'il est parti. Quel est l'homme qui peut supporter qu'une femme est toujours partie en train de partir vendre le piment? Toujours partie. Il n'y a aucun homme. Un homme qui a le truc en bas, un mâle, un vrai mâle, ne va jamais accepter ça. Même le plus grand gigolo de la terre ne pourra pas accepter que les gens sont au courant que sa femme passe se faire couiller.
il reste à la maison et tout le monde est au courant que sa femme va se faire couiller. À ce moment-là, l'homme-là n'a plus de valeur. Ce n'est plus un homme là-bas. L'homme-là avec toi parce que tu vas te faire couiller, tu ramènes. Quel est l'homme qui peut accepter partager son sucre avec un autre mec? Vous êtes des femmes sans valeur. Une femme. Pipi. Si tu avais un mec, tu ne serais pas là-bas où tu es là maintenant, en train de monter, descendre, laisser un enfant, un petit enfant dans la maison, une petite fille, à l'âge de puberté, au risque de venir trouver que quelque chose s'est déjà passé. Pendant ce temps, ta soeur est en train de monter, descendre déjà à Paris. Quand elle vient s'installer à Paris, apparemment le piment ne pique pas bien, ne passe pas bien du côté de là où elle est là-bas. J'ai dit, sortez-moi une photo là où moi, Maléba, je suis en train de vendre le piment. Et si je montre trop l'écartement, si on risque de garder les positions d'une vendeuse de piment. Voilà les positions. Voilà les positions d'une vendeuse de piment. Sors-moi aussi une photo comme ça là. La bouche bien tordue. Regardez, c'est quoi, elle avait eu l'AVC ou l'excès de coups de poing qu'on donnait sur la tête. Pipi, même quand nous étions jeunes, ta soeur, regardez-moi, quand tu regardes ton mec là, il vaut l'homme avec qui je suis. Il vaut l'homme avec qui je suis. Ta sœur a toujours été une vendeuse de piments, réputée, reconnue. Une junkie. Ta sœur, c'est une junkie. Ta sœur, c'est une bonne junkie, ma chérie. Pipi, c'est une junkie. Pipi a toujours vendu le piment, ma chérie. Voilà. Elle est dans les maisons. Elle a appris le long cou. Elle a appris le foufou. Regarde ta sœur. Regarde ta soeur, elle a pris le foufou, elle a perdu une tue. Hein? Regarde ta soeur. Regarde ta soeur, une tue. Tu vas venir parler à qui? Tu vas venir parler à qui, ma chérie? Hein? Ta soeur, c'est une tue. Une gogole. Qu'est-ce que ça fait dans une maison où elle est? Qu'est-ce que ça fait derrière elle pendant qu'elle est en direct? Elle s'oublie, elle s'en va sur le côté. Tandis on va bien élargir l'image. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça? Ceci. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi ça? Elle traite les gens de vendeuses de piments. Tu traites qui de camionneuse? C'est ta soeur la camionneuse. C'est ta soeur qui vend ses services. Et de quelle façon elle vend ses services? Hein? Regardez. On est grand, on a grandi bien l'image. Et puis maintenant, vous allez faire un montage. Regardez. Regardez. C'est qui ça? Ah, William. Ah, Lolo Fondia. Ah, ganga. Ah, Lolo. Excuse-moi, mon beau-frère. Ce n'est pas faux, déjà. Ah, Lolo, écarteuse. Ah, Lolo, pipi. Ali. Aïe. Ah, ton pépé. Aïe, là. Vendeuse de piment international. Montre-ci pour moi la qualité, c'est. Il faut que j'ouvre un autre compte. Ou je vais écarter. Je vais mettre la roue. Je vais mettre là où tu écartes. Tu es une écarteuse. Parle à qui? Hein? Tu parles à qui? Pipi? Tu es une vendeuse de piments international. Tu es une grosse vendeuse de piments. Hein? Tu vends le piment jusqu'à ce que tu t'oublies. Regarde-toi. Regarde ta bouche.
Une tombée perd ton état. Devant nous ici en live, tu as oublié, tu as pris un coup. Tu t'es mis là comme ça en live avec un vieux white. Tu tripotais n'importe comment. Tu parles, que tu baves. J'ai la vidéo ici. Toi, tu vas venir parler à qui? Pipi, dis à ta soeur que c'est toi qui vends tes services et que tu es une vendeuse de pépins. Sortez-moi une photo de moi dans un camion. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Mais par contre, moi, voici un site pour vous qui savez lire et écrire. C'est quoi le nom du site? C'est quoi ici? C'est quoi là? Et son numéro de téléphone et tout. Voilà qui? Voilà ma qui? Voilà les sites. Voilà les sites. Vous pouvez vendre le pépé. Vous pouvez quoi comment? C'est qui ici? Ce n'est pas Pipi. Ce n'est pas ses doigts là. Ce n'est pas Pipi ici. Vendeuse de piment international. Vous traitez qui de vendeuse de piment? Qui? Voici ça ici. Parti vendre le piment. Voilà les huiles. Les huiles. C'est pas ça ici. Hein? Parti au Cameroun. Vendre le piment. Ta copine est venue te vendre ici. Vendre le piment là-bas là. Au Mont Phoebe. Tu parles à, vous parlez souvent à qui même? Quand vous vous asseyez, vous manquez de respect aux gens souvent. On est pareil. Nous sommes pareils. Hein? Est-ce que nous sommes pareils? Vous avez une vie posée comme moi. Est-ce que votre vie ressemble à la mienne? On n'a pas la même vie. Je suis désolée. Je ne suis pas en train de racoler les maisons des gens pour aller commencer à montrer, faire les directs où on est à l'aise dans les maisons des gens. Faites les directs dans vos maisons. Soyez à l'aise chez vous. Même si c'est le petit studio, ça a quatre coins quand même. Faites les directs dans vos maisons. Arrêtez de partir recoller les maisons des gens pour partir manquer de respect aux gens. Vous insultez un homme qui ne vous regarde même pas, qui ne sait pas si vous existez même. Qui est votre mec? Montrez-nous vos hommes. Montrez-nous vos hommes. Quel est l'homme qui peut vous assumer? Quel est l'homme qui peut vous assumer? On a vu ici comment est-ce que on a attaché ta soeur. J'ai la vidéo là. On a attaché ta soeur. Attaché, c'est-à-dire comme l'animal. Ta soeur, c'est un animal. On a attaché comme ça. Avec les cordes noires, comme ça. Et pieds, voilà, comme ça. Là. C'est des... Moi, quand je parle chez le gynécologue, là, quand on te dit que maintenant, tu es mal à l'aise, on a écarté ta soeur. C'est-à-dire, ça pourrait me déchirer même. On a écarté comme ça. On a écarté. On a attaché. Ta soeur. Ta soeur, c'est une vendeuse de piment depuis l'Afrique. Le gars qui l'a amenée au Gabon. Elle a laissé le gars pour aller avec un gars de Madagascar, grand-père. Où il l'amenait tous les soirs, elle partait vendre le piment. Le jour qu'elle ne vend pas, elle a une bastonnade. C'est pour ça que sa bouche est un peu tordue. Les coups de poing, parce que grand-père ne jouait pas. Les gars de Madagascar, ils ne jouaient pas. Ils donnaient les balayettes. Elle a toujours été mazo comme ça. Là. On vous a dit que je suis mazo. Tu me tapes, tu pars en prison. On ne me tape pas. On ne me tape pas. Les pauvres vidéos que tu montres depuis 1900, ouais. J'ai eu un accident, c'est normal. J'ai eu un accident. Donc vous croyez que on va me taper comme ça là? Je veux rester sans rien faire, sans rien dire. Si ce n'était pas que c'est un accident. C'est avec ça que tu te réjouis. Sors-nous les vidéos, les photos où on est en train de me taper. Sors-nous les photos. C'est moi qui ai fait cette vidéo. C'est moi qui ai fait cette vidéo. J'ai envoyé, je ne sais plus à qui. J'ai envoyé ça au père Boulotoc là. Lui-même, je l'avais envoyé ça. C'est lui qui avait ça le premier. Pas des FAO, c'est à lui que j'avais envoyé cette vidéo. J'ai envoyé cette vidéo là. Vous faites comme si c'était une vidéo de gloire. Ce n'est pas une vidéo de gloire. Ce n'est pas une vidéo de gloire. Je suis désolé. Si c'est ça que vous avez comme balle. Donc c'est ça que vous avez comme balle. Mieux encore, sur une vidéo de moi. Comme ça.
lieu de sortir une vidéo de moi où je suis les pieds écartés comme ça là, où on a écarté mon dot, mieux encore une vidéo comme ça. Vous savez ce que c'est que la honte? Est-ce que vous savez ce que c'est que la honte? Mieux une vidéo de moi comme ça. Cette vidéo-là, j'étais même sous. J'étais même sous. Quand vous regardez bien, j'étais sous. Ce n'est pas ces lunettes que j'avais. C'était depuis. C'est une vieille vidéo. C'est une vieille vidéo. Vous venez sortir ça maintenant comme c'était une vidéo que c'était la gloire. Que wow, 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 c'est la gloire. On a tapé, on a... Sortez-moi la vidéo où Maléba est en train de vendre le piment. Voilà le challenge que je lance. Vous me sortez la vidéo où je suis en train de vendre le piment. Je me déconnecte des réseaux sociaux, c'est tout. Je me déconnecte. Sortez-moi cette vidéo. Voilà ta soeur. J'ai montré. J'ai montré ta soeur dans les positions maniaques. Vous avez entendu un jour que j'ai laissé mon enfant pour aller vendre des piments. Mais vous, c'est votre travail. Cet enfant a grandi sans l'amour maternel. Parce que vous êtes toujours en train de partir vendre des piments. Toujours pour vous faire voir. Vous êtes déjà parti comment on appelle ça encore, en Côte d'Ivoire. Parce que vous voulez vous faire voir. Pour dire que, maman, faites comme les grandes femmes qui ouvrent les chaînes de télé. Ouvrez aussi les chaînes de télé. Ce n'est pas que vous prenez les téléphones, comme là, je vais dire que c'est la télé. Ce n'est pas la télé. Comme vous faites des rêves dans vos têtes. Ouvrez les chaînes de télé. Vous êtes des grandes dames, non? Vous êtes des grandes dames, non? Quand on dit qu'on vient mettre quelqu'un dos au mur, voici les lunettes que je porte depuis Gucci, là. C'est ça que je porte depuis. Sortez-moi une vidéo où je suis en train de pleurer avec ces lunettes-ci. Parce que ça, là, c'est une vieille vidéo que j'avais envoyée à Pan Jansan. Où cette vidéo-là, je devais sensibiliser même avec cette vidéo. Parce que le Jansan, si là que vous voyez, là, n'est pas bien. Avec le Jansan, quand tu mets le Jansan, il suffit qu'on t'attrape comme ça, là. On te tire, là. Ça t'enlève la peau. Ta peau, elle devient fragile. Ta peau devient fragile. Vous venez vous asseoir, genre, oh, on a les vidéos de gloire. Non. Je suis désolée. Je devais sensibiliser mes soeurs qui sont moi, comme moi, qui mettent le Jansan. Le Jansan te rend la peau sensible. Aujourd'hui, avec mon Jansan que je fais, il suffit seulement que je me coigne quelque part. Ça devient rouge. Dès que je me coigne quelque part, ça devient rouge. Voilà. Par exemple, dès que je me coigne, j'ai comme ça les taches comme ça beaucoup sur mon corps. Parce que dès que je me coigne, je me gratte fort. Ça sort. Donc vous n'avez pas une vidéo de gloire. Je croyais que vous allez me sortir un endroit, vous montrer les camions. Je croyais que vous allez me montrer un endroit où je suis en train de vendre le piment. C'est tout ce que vous avez. Ce n'est pas ta soeur, par exemple, qui est en train de vendre le piment là-bas, parce qu'elle vend le piment partout. Hein. Et elle connaît tous les prix du piment. Pipi connaît tous les noms, les prix du piment. Pipi connaît tous les rouages du piment. Pipi, c'est une ancienne pimentière. Une fille qui a vendu le piment depuis la route. Ça veut dire que son dot, si ça pouvait parler, c'est que ça crie tous les jours. Dès qu'un homme vient entrer, ça crie. Me voici chez moi. Si je décide que là, le cou commence à me faire mal, je vais m'asseoir là-bas. C'est mon salon. Là, je suis à la salle à manger. Si je suis fatiguée d'être assise où je suis là, je vais m'adosser sur mon salon, sur mon canapé. Vous mélangez qui? On n'est pas de la même diapason, je suis désolée. La vendeuse de piment, c'est Pipi, c'est les gâteuses. Jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas Maléba qu'on voit attaché et qu'on a kick. T'as dit, mon Dieu, plus que l'animal. Vous voyez quand tu l'animal, non?
Sauf que l'animal, on l'attache comme ça. Il est deux pieds comme ça et on met la corde. Mais elle, c'est comme ça. Comme ça, qu'on l'a attaché. Tu parles à qui? Tout ça, toujours dans la bordellerie. Tu parles à qui? Vous parlez à qui? Ça va dans vos têtes là? Les vendeuses de piment à deux balles. C'est pas quoi ça? Voilà la fille, la bouche est tordue. Une bombo. Une bombo quoi aussi. Hein? Vous venez traiter qui de vendeuses de piment? C'est vous les vendeuses de piment? Je ne suis pas une vendeuse de piment. Je n'ai jamais vendu au piment. Jamais. Si j'ai vendu le piment, amenez-moi les preuves. Toutes ces vendeuses de piments-là, nous, on a les preuves ici. Où on est en train de, parler. On entend comment est-ce que les filles disaient que oui. De près, dans les prix. Nous, on entend. Vous allez voir. Attendez, je cherche la vidéo. Je m'achète ma fille. Ma fille Diane Perpétue Maliba. Attendez. Bientôt couper le direct même. J'aime pas faire le direct quand le type est là. J'aime quand il n'est pas là. Je me défoule bien. Il est là comme ça. Je me retiens un peu. Vous voyez, non. Je me retiens. Moi, au moins, je vis avec un homme dans la maison, maman. Regardez. Regardez la bouche de quelqu'un. Une bouche qui a chopé le mic. Jusqu'à, regardez, Benjunju. Parle à qui? À quoi bizarre? Merci à toi, ma fille, Diane Perpétue Maliba. Eva, merci. C'est chez toi que je suis allée ramasser tous ces trucs-là parce que, il y a un moment, j'ai effacé beaucoup de choses là, dans mon téléphone parce que mon téléphone était déjà trop plein. Mais j'ai trouvé beaucoup de choses là-bas chez toi. Il est ma crotte à crotte, yo. Oui, banaloba. Et ma pipi, oh. Non, tu as les balles dans ton téléphone, dans ta page là. Ouais. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Tu vois une vendeuse de piment, une fille qui s'est fait attacher. Regardez, ils ont appelé la poupée. Elle a pris la poubelle, elle a fait comme ça. C'est comme ça qu'on l'a attachée, vous voyez, non? C'est comme ça. Pareil. C'est comme ça qu'on l'a attachée. Ça vient parler à une noble fille. Une fringa. Une fille qui parlait pis sur elle. Parlait à qui? À quoi, Béza? Fille qui parlait pis. Pis debout. Venez parler à qui? Va dans vos têtes là. Bombo. Voilà ça ici. On écoute comment est-ce qu'elle-même. On est en train de s'amuser. Voilà ça. Elle me dit attache-moi. Elle me dit attache-moi. C'est Bibi qui dit qu'on attache. Elle me dit attache-moi. Le plus que l'humiliation. Et c'est des femmes qui disent que l'humiliation, c'est humiliant et c'est chiant. Pourquoi je peux vous dire non? Il n'y a pas de débat en ce moment. Tenez le coup. Quand vous dites tenez le coup, c'est les blagues qui tiennent le coup. C'est pas les blagues qui chevauchent. Alors, allez voir si la partie qui tient le coup, il y a chevauchement qui avant la tâcheuse. La tâcheuse. La première fois, j'entends les choses comme ça. Même coach à moi, je dis que c'est la première fois qu'il entend les choses comme ça. Vous venez parler à qui? Vous avez entendu que on m'a attaché quelque part? Vous avez entendu qu'on m'a attaché quelque part? Ça, c'est le film Tindi. On a transformé ça en film. Dit que. Attache-moi. Au départ. Nous sommes en train de nous amuser. D'accord. Et elle me dit attache-moi. Qui demande qu'on l'attache? Et elle me dit c'est attache-moi. Pipi qui demande qu'on l'attache. Pipi demande qu'on l'attache. Vous vous rendez compte? Pipi demande carrément qu'on l'attache. La bombo.
Bobo demande qu'on l'attache. Regardez. Elle est comme mon arrière-grand-mère, que je n'ai même pas connue. Ça qui demande qu'on l'attache. Venez par là, qui? Regardez. Oh, ma fille, tu as les balles dans ton téléphone, c'est. Regardez les pieds. Regardez. Regardez-moi ça. On sent une fille qui ne portait pas les chaussures avant. Après, on va dire que fille de commissaire Pissel. Vous venez par là, qui? Je reviens sur vous. Je n'ai pas encore fini avec vous. Je reviens. Parce que je ne suis pas seule. Je reviens. Ça me fatigue. J'aime pas. Je reviens sur vous. Je ne suis pas trop inspirée là. Déjà que j'ai eu du retard et ça m'énerve. Je viens me préparer. Vendeuse de piments. Vous êtes des vendeuses de piments réputées et reconnues. Pipi, c'est une vendeuse de piments depuis 1900. Ouais. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis l'Afrique, elle a toujours vendu le piment. Depuis l'Afrique, qu'est-ce qui a tué sa mère? C'est des choses comme ça, la vente de piments. Elle a déçu sa famille. C'est la honte de toute sa famille. Et voilà sa soeur qui suit derrière son chemin. Sa soeur aussi est devenue déjà une vendeuse de piments à Paris. Elle a dit que non, tu ne peux pas partir vendre du piment seule. Moi, je te suis maintenant. Elle a dit, on lui a dit que non, viens, on l'a entraînée. Elle aussi est devenue vendeuse de piments. Parce que le piment qu'elle vendait là-bas en Allemagne, ça ne passait pas. Là, elle a laissé l'enfant. L'enfant a failli mourir dans la maison parce qu'elle partait vendre le piment. Vous avez entendu un jour que j'ai abandonné mon enfant, quelque part? Vous avez un jour entendu ça? Que Maléba a abandonné son enfant pour aller vendre le piment? Sortez-moi la photo, la vidéo où je suis en train de vendre le piment. Parce que si vous avez ça, c'est que vous avez aposté. On voit bien. Regardez là-dessus. Regardez. Monsieur. Vendeuse de piments à 2 balles. Regardez. Mes gens. C'est pas très très chaude. Regardez. Partout là. Ce n'est que elle. Vente de piments. En tout cas, merci à toi, Jan Perpétue, Maléba Eva. Merci, mon enfant. J'ai cherché tout ça. C'est chez toi que j'allais trouver tout ça. Ça, ce sont des voix. Il y a les balles ici. Hein. Partez chez Diane Perpétue Maléba. Là, vous allez trouver les choses. Hein. Parce qu'elle a les choses là-bas. Hein. Et elle a fait le montage. Diane Perpétue Maléba, elle est trop forte. Elle a mis la douane écartée. Je dois péter moi. Donc vous devez aller voir. Je vais être junkie, nous conduire en France. Mais c'était un junkie. Elle tombe sur moi et elle est déprimante. Elle était un junkie depuis. Tu as entendu qu'un homme a fait une vidéo sur moi comme ça. Je dois péter moi. C'est que au lieu, ça va être junkie, nous conduire en France. Elle devait être. Vous comprenez? Elle devait être junkie. Elle tombe sur moi et elle est déprimante. Je dis, mais tu crois que c'est sérieux? Elle serait un junkie, je suis d'accord avec toi. Oui, elle devait devenir une junkie. Écarteuse, Douala Yaoundé. Venez par là, qui? On vous a dit que je suis une écarteuse. On m'attache. On vous a dit que moi, on m'attache. Bande de ce que je pense. Demain, là, je vais faire direct sur vous. Parce que là. Là, je ne suis pas très en forme. Là. Une femme, elle est dans la maison. Un homme, carrément. Un homme vient te couiller dans la maison où tu vis avec un autre homme. Tu parles à qui? Mais elle est bien, Pépé, tu m'arrives à se lever. Ouais. J'ai vu la vidéo là ici, là, c'est ça que je cherche. Là d'où elle est en train de. Elle est vraiment. Junkie, vraiment malade. Je voulais vous montrer ça.
C'est pas grave. Je vais réunir les éléments. Je vais réunir les éléments et je vous reviens. D'accord? Je vais réunir les éléments et je vous reviens. Vous voyez quelqu'un qui est en train de parler, elle est comme ça, là, elle est en train de partir. Que le tchoum tchoum, il a fini avec elle. Je vous reviens. Là, maintenant, là, je vais réunir tous les éléments pour montrer, pour prouver par A plus B que c'est une vendeuse de piments. Une junkie. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas une boboco aussi, ça? C'est pas une boboco aussi? Attendez, peut-être on m'a envoyé les éléments, là. Atomise ça. Pour moi, pas loin. Allez, nous voir que quand j'entends. Là. Oh. Ben, je vais couper le direct. C'est un message très gentil, très doux. Donc, on remet notre direct. Vous voyez, non, je ne suis pas très en forme. On remet ça. Ce message-là est très doux. Je vous aime, bisous. Et dites-vous que quand quelqu'un m'insulte, toi, tu es un homme, tu m'insultes, j'insulte ta mère. Tu es une jeune fille que je ne connais pas, j'insulte ta grande soeur ou ta mère. Voilà. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Donc, vous ne m'insultez pas, je ne vous insulte pas. Vous ne me cherchez pas les problèmes, je ne vous cherche pas les problèmes. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Et puis, on fera peut-être un direct demain ou après-demain. Pour l'instant, ce message-là, c'est très doux. Gros bisous. Je vous aime.